Bonjour, dans cette nouvelle vidéo consacrée à VSDC, je vais vous montrer l'utilisation du zoom, c'est-à-dire comment jouer avec les différents paramètres. Je précise que pour l'instant, j'utilise toujours la version gratuite de VSDC, donc je ne parlerai pas ou peu de ce qui est possible de faire avec la version Pro. Il faut savoir aussi que la façon de travailler avec les paramètres du zoom sera la même pour la plupart des autres effets de transformation ainsi que pour les filtres divers et variés, bref, dans tous les paramètres du logiciel. Bon, je vais ouvrir mon tuto zoom là que j'avais préparé et on y va. Alors la première chose que je vais faire, je vais charger une photo. Alors ce ne sera pas celle sur laquelle je vais travailler, mais vu les couleurs, on va bien voir le liseré bleu autour là, de l'image. Ce cadre bleu représente ce qu'on verra à l'exportation de la vidéo. Parce que lorsqu'on va zoomer, on verra tout de même l'image en dehors de ce cadre bleu, mais ce sera que ce qui est dans ce cadre bleu qui sera exporté. Alors je vais l'effacer et charger la photo sur laquelle je vais travailler. Alors bien sûr, on pourrait importer une vidéo, hein, c'est exactement la même chose. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà, tac tac, pas de problème. C'est pour ça que celle-ci, on voit le liseré bleu, mais comme il y a beaucoup de bleu, pour voir le cadre bleu, c'était mieux l'autre photo. Maintenant, on va appliquer l'effet zoom. Alors pour cela, comme toujours, on sélectionne le média, on fait effet vidéo, transformation, et zoom. Alors, soit on met de la durée du parent entier dans une nouvelle couche, pas de problème, soit du curseur. Dans le cas présent, il faut que le curseur soit à 0. Dans ce cas, si on met de la position du curseur, on a le droit de changer la durée. Donc il y a 10 secondes, on ne va pas se casser la tête, on va laisser ça. Et on fait bien. Il a créé dans la timeline l'objet zoom qui est lié à la photo, ici. Et donc il fait la même longueur, 10 secondes, la même durée, 10 secondes. On voit que dans l'explorateur des objets, on a le nom de l'image, de la photo, et l'effet en dessous. Si j'avais plusieurs effets, ils seraient les uns dessous les autres. Alors, côté fenêtre des propriétés, ici, on a le temps de l'apparition de l'objet. Alors, il est à 0. Pourquoi? C'est le temps de l'apparition, c'est à partir de quel moment sur la timeline, à partir de quel temps, on voit apparaître l'objet. Dans le cas présent, le zoom apparaîtra à partir de 0 secondes, du début. Et si je mettais le zoom qui démarre par ici, au pif, là, environ une et quelques, on voit maintenant que le zoom démarre à 1,44. Donc, c'est juste pour savoir à quoi sert ce paramètre. Donc ici, on a la durée qui est de 10 secondes. C'est le temps qu'on a choisi au début. La durée en image, 250. Parce que mon projet est à 25 images secondes multipliées par 10. Ça fait qu'il y a 250 images. Et maintenant, on a les paramètres du zoom. Au traitement automatique, on le laisse. Alors, on a les niveaux. On a trois catégories. On a le niveau sans autre explication, le niveau de l'échelle X, le niveau de l'échelle Y. Et bien ça, c'est le zoom. Pour l'échelle Y, c'est les axes des Y, c'est-à-dire verticalement. Je peux augmenter le zoom sans augmenter latéralement. Par exemple, comme ça, j'augmente mon zoom en hauteur. Voilà. Ici, la même chose en largeur. Et là, le niveau, sans autre, aucune précision, bah, c'est le niveau du zoom général de l'image. Donc quand je zoome, bah, toute l'image, aussi bien verticalement et horizontalement, augmente. Donc en règle générale, on va utiliser surtout le niveau tout court. Les niveaux de l'échelle X ou Y, c'est plus pour, si on veut faire, des effets spéciaux. Ici, on a le centre par rapport à X, le centre par rapport à Y. Alors, ça, ce sont les coordonnées de la zone où on va zoomer. Et où va-t-on zoomer? C'est ce qui est symbolisé par ce point avec un X autour. Là. Alors, si on déplace la croix, si je clique sur le point comme ça, je peux déplacer ma croix pour venir zoomer ici. Je vais monter un peu parce qu'on ne la voit pas bien. Ici. Et on voit qu'il a changé la valeur en pourcentage. On a également, en cliquant sur l'icône en bas à droite, on peut décider pour les X qu'on met à gauche, à droite ou au centre. Pareil pour les Y, on peut mettre en haut, en bas et au centre. Donc on va fixer le niveau de zoom
Et avec ce point, ou avec les paramètres ici, on va décider vers quel endroit on fait le zoom. Ici, on a affiché masquer le centre, c'est-à-dire masquer la croix. Là, j'ai fait une manip, ça y est plus. Donc, je vais tout remettre au centre. Donc, on fixe le zoom et après, on va déplacer le point pour viser la zone où on veut faire le zoom. Alors, comment modifier le zoom ? Eh bien, premièrement, si on prend le niveau, je peux cliquer ici et j'augmente comme ça avec les petites flèches là. Alors, on voit, c'est ce que j'ai expliqué, que la photo s'agrandit, elle sort du cadre avec du cadre bleu, mais ça ne sera que ça qui sera visible à l'exportation. Donc là, j'ai augmenté mon zoom comme ça. Je peux aussi, en appuyant sur les trois points, accéder à cette, on va dire, fenêtre de travail. Et en cliquant et en tenant le bouton gauche de la souris, je peux, en déplaçant la ligne, augmenter le zoom. Ou baisser, bien sûr. Donc je vais le mettre, voilà, je suis vert, 252, et là je vois que en ayant bougé là, ça a modifié ici. Voilà, je peux également tout bêtement venir ici et changer manuellement la valeur. On va laisser comme ça, et à ce moment là je peux maintenant déplacer mon point pour savoir où je zoome. Voilà, je le mets là comme ça, j'ai un peu plus, ou alors un peu plus comme ça. Voilà, ça a zoomé plus par là. Et donc, comme j'ai dit, dans la vidéo finale, on ne verra que ce qui est dans le rectangle bleu. On peut le voir ici avec l'outil de visualisation. On voit vraiment que ce qui est dans le rectangle bleu. Voilà comment on peut modifier simplement le zoom. Alors, je vais revenir en arrière. Pour mon zoom, je vais le remettre à 100. Voilà, et je vais tout refaire comme tout à l'heure. Je recentre. Je pars de zéro. Maintenant, on va voir comment on peut faire varier ce zoom. Dans cette première partie où on a travaillé sur le zoom, que j'appellerai zoom simple, on a travaillé avec ici avec une seule valeur. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de faire varier le zoom tout au long des 10 secondes. Pour cela, on va travailler avec deux valeurs. Alors, pour avoir les deux valeurs, on voit qu'ici, on a un trait horizontal. C'est-à-dire que c'est la valeur constante du paramètre, c'est-à-dire tout le temps, c'est la même valeur, ce qu'on vient de faire. Je clique ici, j'ai un trait oblique, et là, je me retrouve avec 100.100. Et là, je vais jouer sur ces valeurs. Alors, je peux faire d'une autre façon. Alors, je vais revenir à une seule valeur. Si je clique ici, je passe par deux autres courbes, mais qui sont réservées à la version Pro. Et je reviens à un trait, et là, j'ai plus qu'une seule valeur. Mais ce que je peux faire, c'est aussi manuellement aller rentrer après le 100.100. J'ai mes deux valeurs et j'ai de nouveau ma diagonale ici. Alors, comment ces deux valeurs agissent ? Alors, si par exemple, je mets 150, mon curseur est au début. Je valide par rentrer, il ne se passe absolument rien. Par contre, si je vais au bout, mon zoom est une fois et demi centré. Je reviens au début, je suis de nouveau à 100%. Comme tout à l'heure, je peux changer la position de la croix. Voilà. Hein ? Pour l'instant, je reviens au centre, on verra ça tout à l'heure. Ici, je peux mettre directement les deux valeurs de zoom, mais j'ai une autre façon de travailler en cliquant sur les trois points. J'arrive sur ma fenêtre de travail et je vois ici mes deux points clés ou keyframe. Alors, il y en a une qui est ici au début à 0 seconde, et on voit que le zoom est à 100%. Et j'en ai une autre ici au bout des 10 secondes, et je vois que mon zoom est à 150. Donc, si je clique ici, je peux faire varier mon zoom à 0 seconde. Voilà, là je vais revenir à 100. Donc là, ça bouge beaucoup. Alors, je fignole ici, tac, je le remets à 100, et je peux venir ici. Mon curseur, je le mets au bout. En cliquant sur ce point, avec le bouton gauche, je peux zoomer. Donc on va le mettre par là. Voilà. 253%.
je vais le mettre à 250%, comme ça, voilà. Donc ensuite, pour savoir où je zoome, je vais déplacer mon point et je vais viser, par exemple, voilà, je vais viser ici. Ça va zoomer à ce niveau-là. Je reviens au début et je fais une petite lecture. Voilà, je zoome de 100 à 250% en allant sur la gauche. Alors, une petite remarque, avec la version Pro, sans rentrer dans les détails, on va pouvoir créer d'autres points clés entre le point du début et le point de fin et pour faire différentes animations de zoom. Alors maintenant, je reviens ici, et ici j'ai mon zoom. Par contre, mon zoom, il fait 10 secondes. C'est un petit peu long. Je voudrais le raccourcir pour que l'effet zoom soit plus rapide. Alors je vais me mettre vers 3 secondes. Alors là je suis au pif à 3,28. Je vais revenir à 3 secondes. Voilà. Et je prends l'effet zoom. Quand j'ai les deux flèches noires, je clique et je ramène mon zoom à 3 secondes. Et là, de 10 secondes, vous voyez qu'il est passé à 3 secondes. Je reviens au début et c'est un petit peu plus rapide. Voilà. Et dès qu'on a passé les 3 secondes, il n'y a plus de zoom, donc automatiquement l'image revient à 100%. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un zoom pour que l'image reste zoomée à 250%. Alors pour ça, on a deux méthodes. Je vais mettre mon curseur pile poil là. Je reviens de nouveau dans effet, transformation et zoom. Là, il me dit de la pointe du curseur, j'ajoute une couche, ok. Et il m'a mis sur une nouvelle piste un nouveau zoom. Et vous remarquerez qu'il a gardé exactement les mêmes valeurs de zoom que le premier zoom. Donc déjà, c'est pas mal. Par contre, de nouveau, le zoom varie. Et moi, je veux qu'il soit constant à 250% pour que lorsqu'on a zoomé dans ce coin-là, on y reste. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, tout bêtement, j'efface 100 et le point, le 100 et le point virgule. Et je fais entrer. Et on a zoomé à 250%. Sauf que, vous voyez que le point, il est là. Il est centré. Si je fais une lecture, il va zoomer vers la droite et hop, il se met au milieu à 250%. Donc, c'est pas ce que je veux, moi. Si je viens ici, en fait, il faut que je retourne là-bas. Alors, pour être précis, si je clique sur le premier zoom, je vois qu'ici, j'ai les coordonnées qui sont à 0,84 et 0,46. Alors qu'ici, je suis à 0,5. Alors, il me suffit d'entrer ici les valeurs du premier zoom pour avoir la même position. 0,84, je fais entrer, et 0,46. Et ici, on va mettre 0,46. Voilà. Donc là, si je fais de nouveau une lecture, il zoome et il ne bouge plus. Si je veux, j'ai gardé le nouveau zoom sur une deuxième piste, je peux le mettre sur la première piste. Hein, et il me supprime la piste où il était automatique. Ça, c'est une première chose, mais il a fallu modifier les valeurs. Alors, il y a une façon de faire plus rapide. Alors, pour ça, je sélectionne le deuxième zoom et je le supprime. Je sélectionne le premier zoom, je fais un clic droit, je le copie. Je clique n'importe où dans la timeline et je fais coller. Et là, je vois que j'ai mon zoom 4 sur une nouvelle piste. C'est pas grave. Je le déplace derrière le zoom 2. Il ne va pas jusqu'au bout. C'est pas grave. Ici, je rallonge la durée. Et il doit faire 7 secondes. Comme tout à l'heure, les valeurs de zoom sont celles du premier. Variable, moi, j'ai dit que je voulais être à 250% terminé. Je supprime 100 et le point virgule, je fais entrer. Si je me mets là, je suis bien zoomé au même endroit. Par contre,
Les coordonnées du deuxième zoom sont exactement les mêmes que le premier zoom, parce que c'est une copie. Alors là, j'ai fait varier mon zoom plus zoom fixe, et si on voulait faire plusieurs variations de zoom, il suffirait de faire plusieurs copier-coller et changer les valeurs de zoom et la position de la croix, comme on le voit dans cette vidéo que j'ai réalisée pour vous faire voir ce qu'on pouvait faire. Alors on peut faire exactement la même chose avec plusieurs keyframes ou points clés dans la version Pro comme on a pu voir avant. Voilà deux façons de jouer avec le zoom. Et donc comme toujours, après avoir fait un montage vidéo, on va dans l'exportation du projet. On choisit le format dans lequel on veut exporter la vidéo. On choisit le dossier et le nom, par changer le nom. Et on fait exporter le projet. Si vous voulez avoir plus de détails pour les fonctions d'exportation, il vous suffit de, si ce n'est pas déjà fait, de visionner ma vidéo à la découverte de VSDC deuxième partie. Ensuite, également pour terminer, si on veut revenir sur le projet, il est bon de l'enregistrer. Voilà comment travailler avec les paramètres du zoom, et avec un peu d'imagination, on peut réaliser des animations sympas. Et comme je l'ai dit au début, la façon de travailler avec les paramètres du zoom s'applique aussi aux autres effets du logiciel. J'espère que ce nouvel épisode de VSDC vous a intéressé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!